Yo, c'est ton poteau Mantenati, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte sur du My Hero Academia de Strongest Hero. Les gars, aujourd'hui, vidéo découverte. Hein. Je suis pas spoil du tout sur YouTube, etc. J'ai vu qu'il y avait la bêta qui était ouverte, etc. Moi, j'ai pas regardé, j'ai rien regardé. Même niveau invocation, j'ai pas du tout regardé. J'ai juste regardé vite fait une petite tier list pour voir le niveau des personnages, etc. Là, je me suis mis un petit compte invité parce que j'ai pas envie d'avoir de la merde et de voilà, je veux avoir un bon reroll pour bien partir sur le jeu et pas galérer. Et donc du coup voilà, déjà premièrement bonne chance pour rejoindre un serveur. Là il est 10h30, j'ai dû attendre je crois un quart d'heure, 20 minutes avant de trouver un serveur. Ils étaient obligés d'en rouvrir un 12e, donc je suis sur le serveur 12 tout simplement. Et c'était compliqué. À chaque fois que tu venais, il y avait le point vert qui disait que tu pouvais rentrer dedans, mais en fait non, pas du tout. C'était tout sauf que tu pouvais rentrer, c'était pas possible. Donc du coup, je vais laisser les stories, etc. On va faire le tuto. Je sais pas si je vais avoir le, enfin pas le temps, mais avoir le moyen de faire une multi. Donc voilà, on va découvrir le jeu, etc. Il n'y a pas le son du jeu. Je vais mettre une petite musique de fond. Hein, pour pas que voilà, ça soit plus full sans son. Donc voilà, découverte du jeu. Je sais que le jeu il est beau, etc. Je sais que le gameplay il est un peu nerveux et ça change en vrai de. Bah, par exemple, là va falloir commencer à se poser des questions sur les jeux comme Dokkan Battle, etc. Parce que des jeux comme ça qui arrivent là, les gars, va falloir commencer à se bouger un peu le fiac. Hein. Donc du coup, on va commencer le tuto. Hein. On a Dodge. Donc c'est vraiment de la découverte les gars, là je sais pas ce qui va se passer. Ok, j'esquive, je sais pas ce que si j'ai esquivé. De toute façon ça va être la présentation des héros, etc. Je sais pas du tout combien de temps la vidéo elle va durer, je sais pas du tout. Mais là vraiment ça va être de la découverte, en tout cas c'est grave beau. C'est pour ça là va falloir commencer à se bouger le huc, hein, monsieur Dokkan et... La licence Dragon Ball par exemple. Bon après il y a DB Legends etc. Mais bon. FX Button can also be used. Ok. Je sais pas ce qu'on fait, mais on fait. Je pense qu'à mon avis c'est pour charger une attaque. Ça me rappelle les débuts, putain de merde. Mais My Hero Academia en tout cas moi je kiffe. J'aime trop regarder... Les animés, etc. J'ai même les tomes derrière, etc. J'ai une bonne collection. Et franchement, bah j'espère que. Bah déjà, le jeu il est en anglais. Je sais pas si on peut le traduire en français. Ça serait cool. Hein, parce que bon, pour certains, peut-être l'anglais ça va être compliqué. Après, bon, comme d'habitude, les gachas c'est toujours pareil. Hein, c'est toujours la même merde, toujours la même chose à faire. Donc j'espère qu'il y a une. Il y aura, ça serait écrit en français. Bah, ça va, à mon avis, aller dans les paramètres, etc. Il y a moyen. Aïe aïe, Izuku Midoriya, je l'appelle même pas Izuku frère, je l'appelle Deku comme tout le monde je pense. Monsieur sans alter. En tout cas le jeu est ultra fluide et ultra beau en plus. Hein. Voilà on va utiliser All Might mais pas du tout. Là, par contre faut bien se déplacer. Voilà, on a utilisé All Might, c'est très bien, ça a duré 3 secondes. Ça a duré 3 secondes. T'inquiète pas qu'on va pas avoir des persos comme ça dès le début dans le jeu. Hein. Ah non, non, non. Bien fait, hein, c'est bien foutu, putain de merde. Ah. Je sais pas, vous êtes à quel comment dire? Quelle saison, etc. De My Hero Academia, en tout cas. Parce qu'il y en a, ils vont découvrir le jeu certainement et sans regarder l'anime ou le manga. C'est possible, hein. Mais ceux qui n'ont pas regardé, etc., je vous conseille vraiment de regarder. C'est vraiment. Comme manga animé, franchement, niveau combat, etc., tu t'emmerdes pratiquement jamais dans le. Des fois, tu as certains animés où tu t'emmerdes un peu. Mais là, en vrai, tu t'emmerdes pratiquement jamais. Chacun niveau personnage, c'est vraiment riche. Donc, je sais pas si le jeu va très très bien marcher, mais niveau héros, niveau méchant, il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi faire. Il y a énormément de possibilités niveau personnage.
le créateur du manga ou de l'animé s'est fait réellement, réellement plaisir. Et franchement, au niveau personnage, bah, il y en a beaucoup à avoir. Hein. On va courir. On prend le passage piéton quand même, hein. On est des gens fait civilisés ici. Alors, on sait ce qui va se passer, hein. Le gros casse-couille, alors que lui, il pue la merde. Donc. À ce moment-là, il était ultra stylé, putain. QTE. J'ai pas fait SS. Aïe aïe aïe. Il y a beaucoup de moments parce que je regarde, je découvre. Pour ça, la fausse pomme. Ok. Perfect. C'est trop marrant, il essaye de le sauver, mais il dit dégage. C'est le seul moment où il a été un peu faible. La QT encore, non? Non. All Might too. Voilà. Ta 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 ta. Hey, il est beau, il est beau. Oui. Voilà, les meilleurs blasts comme d'habitude sur les jeux. Je m'appelle Oui. Je m'appelle Oui. Après, comme j'ai dit, à mon avis, ça va être. Ça dépend ce que je vais avoir. Hein. Ça dépend ce que je vais faire. Ouf. Il y a du monde là. Hein. Qu'est-ce qu'il y a une fourmi. Qu'est-ce qu'elle veut cette pute là. Alors. L'émission. De toute façon, là, ça va être du tout droit. Hein. Juste un hold down. Ah, ce qui est bien, c'est qu'au moins là. Ah, bon, en plus, on a une accélération. Très bien. Là, par contre, il y a full joueur là. Oh là là. Ok. Ok. Putain. Il y a beaucoup de monde. Ah, il y en a un qui a recruté Katsuki Bakugo. Ok. Congratulations to Drix. Momo. Ok. Ouais, à mon avis, ouais, voilà, on va avoir des petites missions. Petite mission. À mon avis, on va se taper là. Ok. Alors. Ok. Ok, oh là, c'est un saut direct. Ok. Auto. Ah ouais. Là c'est l'esquive, ça je m'en rappelle. Je peux faire full esquive. Clac, bien sûr les trucs se rechargent. Bon bah là c'est le début, c'est normal que je les démonte. Donc du coup je ramasse des objets directs. Oula oula oula. Par contre il est déjà mort. Il y a ça et ça log direct. Okay. Ah, t'es même pas obligé de tapoter en fait, t'as juste à. Ok. T'es pas obligé de spam, tu peux rester appuyé. Ou ça dé. Là, ça débloque du S. Hein. Merci. On a gagné des thunes, on a gagné de la bouffe. Le boss. Parce qu'après, tu peux switch peut-être entre des persos, etc. Je pense que ça peut être ça, hein, les gars. Vraiment, c'est full découverte, les gars. Et déjà ouais, je l'ai détruit quoi. En plus t'as système de combo je pense. Ouais. Je peux faire ça en... Je peux vraiment les enchaîner en fait. Ok. On les a démontés. Hop. Minotaurus. MTP. Là, j'esquive. Il y a tellement l'air d'avoir tellement de techniques, etc., que tu peux faire tellement de tricks.
Du coup, quand il cherche comme ça, t'as une touche, c'est ça? Il le fait qu'une fois? Oui, il le fait. Waouh! En tout cas, ouais, le jeu, il a l'air d'avoir masse combo à faire, hein. Ok, là j'ai fait une mission. Success, niveau 4. Combo Spin Master. Obtenu. Ok. Success. J'ai gagné de l'XP, j'ai gagné de la thune, j'ai gagné de la bouffe. A mon avis, ça c'est pour le l'XP, etc. Stamina 4. Hero Upgrade, Skill Résonance. Ok, et puis après... Ah, ok. Bon. C'est les persos gratos, donc si tu fais ça, tu peux gagner des trucs. Ok. Juste, elle est où ma box? Je peux finir ça encore? Certainement. À mon avis, faut que je fasse ma box, etc. Faut que la box, je dois recevoir plein de trucs. Bon, là, à mon avis, voilà. Là, pour l'instant, on va gagner v'là les trucs. On va gagner v'là les niveaux, etc. Pour pouvoir avancer dans le jeu un peu. Great job. Donc là, on va évoluer notre personnage. Héros. Logiquement, lui. Upgrade. Bon, upgrade. Ça me fait penser un peu à comment ça s'appelle? À... Ok. Quel jeu oui, One Punch Man. Ça me fait penser un peu à One Punch Man. Les menus se ressemblent souvent et tout. Bon, par contre, laissez-moi aller voir les cadeaux, frère. Ils veulent pas. Bon, bah, c'est pas grave. Là, je vais avoir encore une autre mission, c'est ça? Ouais. Ouais, ça me fait penser un peu à My... pas My Hero Academy, n'importe quoi. Ah, ça me fait penser à One Punch Man, un peu. One Punch Man, c'est un peu dans le même délire, même bail. Comment dire? Tu utilises ton perso, tu te déplaces, tu fais la même chose. Si je m'en souviens bien, One Punch Man, je crois que c'est à peu près pareil. J'avais pas trop aimé One Punch Man, j'avoue. Mais j'avais joué sur une version... c'était version japonaise, donc du coup, ouais, t'es pas trop en mode kiff. Comment ça, ils te mettent les touches de... Je peux vraiment one-shot, hein. Je peux vraiment enchaîner. Il y a beaucoup de monde. Et ça, du coup, ça se charge. Du coup. Ok. Ça, c'est un peu des techniques un peu avancées, quand même. Des techniques un peu avancées. Mais ouais, tu peux varier les plaisirs niveau combo, hein, quand même. Hein. Tu peux varier les plaisirs. On va pas se le cacher. Même si tu récupères pas, ça va directement dans ton truc. Ok. Nous, ce qu'on veut, c'est des invocations, les gars. Mais bon, on connaît les invocations. On connaît, on va rien avoir. Hein? Hein, le jeu? Hein, le jeu, monsieur? Je pense qu'à mon avis, ils veulent que je finisse les deux... le niveau jusqu'à la fin, là, pour débloquer le perso free-to-play, pour dire que tu peux débloquer tes persos free-to-play. Je suppose que les persos free-to-play te servent un peu au début, mais après, bon, bah, comme d'habitude, hein... Les persos premium toujours plus intéressants que les persos gratos. Donc lui c'est la baston. Ouais. Je suis pas très bobo. Hein. Le one for all. Ok, c'est mon spécial. Ouais, et les strong doivent être. Ok, d'accord, donc vraiment le one for all ça pique. Ok. Ah, mais tu débloques quand même des trucs qui sont assez avancés dans l'anime. C'est, j'avoue qu'il perd pas de temps avec le perso là. Et je suppose que lui il peut passer. Non. Je sais pas s'il reste B ou il peut augmenter. Je sais pas du tout. Ouais, forcément, ouais. Ils vont me dire fais ça. Parce que tant que je peux pas aller dans ma boîte mail, pour moi, c'est je peux pas récupérer tout ce que j'ai envie. Voilà. Success. Et à mon avis, c'est la dernière mission. Et
Et après cette mission là, je pense que tu peux faire ton invocation. Comme d'hab, upgrade hero, bah, monter lui le skill. Remember to constantly upgrade the skill. Let's raise the level of Midoriya. Attaque normale. Ok. Ok, ok. Et je suppose que tu peux augmenter les skills, etc. Ce qui est logique. Mais le jeu, en tout cas, il est ultra fluide. Je sais pas comment ça va rendre en vidéo, mais il est ultra fluide, le jeu. Hop. Et je pense que c'est le dernier. Et après, je pense après ça, il te laisse... Bon, après, par contre... Bon, après, j'ai laissé l'histoire, etc. Mais je pense que sans l'histoire, tu peux te mettre bien. Je pense que sans l'histoire, pour reroll, à mon avis, tu peux te mettre bien. Oula. Il a eu. Use the break death. Ok. Donc là, je peux... Par contre, tu te retrouves avec tellement de trucs en vrai. Donc là, oui, parce qu'il est en mode dev, c'est ça. Je me suis dit, vas-y, je vais l'utiliser, mais je pense pas que c'était le bon truc. Ah, il y a le R aussi. Je l'ai pas fait, je crois, le R. Par contre, comment on fait pour log direct? Ok. Donc lui, il faut que j'utilise le break dev. Voilà. Quoi, le R? On veut l'utiliser, le R? Le R, on peut pas l'utiliser. Si, on peut l'utiliser. On peut l'utiliser, mais je l'ai pas fait. Ah si, en fait, j'ai fait. J'ai démonté. Ouais, par contre, il y a masse possibilités, hein, putain. Il y a tellement de spells à utiliser et tout. C'est bien, au moins, ça va, tu peux varier les plaisirs. Tu t'es pas obligé de spammer et de faire tout le temps pareil. Et ça, c'est cool. Allez, on ramasse la petite caisse. Ressources obtenues. Et je pense que c'est le dernier combat avant de... Ouais. C'est le dernier combat, je pense, avant de pouvoir être tranquille. Donc là. Charge. Boum. Est-ce qu'il... Ok. À mon avis, faut que j'arrête d'utiliser mon spécial pour rien en fait, parce que... Aïe. Par contre, il est... Je peux rien faire. Ok. Là, on l'enchaîne. Et là, on lui met le spécial. Je fais bobo. Bon, après, bien sûr, c'est facile parce que c'est le début. Hein. Mais je pense pas qu'à mon avis, tu puisses spammer comme ça. Là, c'est juste, il te montre le bail. Bon, voilà, on peut skip. On sait qu'on a fait le truc. Ok, ok. Mais je pense que, ouais. En tout cas, le jeu, ouais, il est vraiment, vraiment très, très beau. Hein. C'est quelque chose. Hein. This is something. Donc, du coup, je pense que voilà. Là, on a fait la troisième partie. Et du coup, voilà, on débloque le perso logiquement. Et puis voilà, après, ils te disent continue l'histoire. Voilà, achète ta mère. On connaît, je connais, on connaît. Recrute. Ok, bon, ça c'est gratuit. Mais à mon avis, voilà, c'est le first time. Logiquement, lol. Ah, faut rester appuyé, je crois. Voilà. Je suppose que là, on l'a eu. Du coup, c'est soit... Ok, donc UB. C'est soit tu fais ça, mais logiquement, si je dis pas n'importe quoi, voilà, tu peux claim tout ça, là. Et je pense que t'as des... Voilà. Ça, c'est payant. Ah, ça, c'est payant aussi, monsieur. Mais dans les cadeaux, j'ai rien d'autre.
Parce que le point d'interrogation, il va être tout le temps en fait. Claim. Claim. Upgrade. Claim. Kill. Claim. Recrutement. Ok. Mais du coup, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de multi gratos là? Il n'y a pas de... Non? Parce que sinon, il faut attendre les tickets, c'est ça? Talk to Death Arm. Mais après, là, ils vont me donner encore une nouvelle truc. Qui est accompli. Ok. Ah. Ça, c'est pour débloquer des trucs, ça. Voilà. Pack. Ouais, non. Ça, c'est dépenser des vrais trucs. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Je sais pas, à mon avis, pour recruter, bon. Je pense que, bah voilà, il faut attendre d'avoir 10 trucs ou d'avoir 30 trucs. Vas-y, je vais faire ça. Et après, les gars, je pense que la vidéo elle sera finie. Hein. Là, on va faire un. Voilà. J'écris lol. Voilà. Un fragment. Et ça, le truc. C'est que ces fragments, c'est un peu chiant, quoi. W. Voilà, super. XD, voilà, je suis... Voilà, fragment d'un truc bleu. Bon, je pense que tu kiffes pas trop hein, quand tu vois ça. Et le dernier. Je vais faire un carré avec une croix. Et voilà. Voilà. Et du coup, bah, c'est des fragments. Et du coup, bah, à mon avis, tu vas dans les héros. Ça. Oh, c'est encore des thunes hein. Et c'est ça le problème à mon avis, c'est ça qui pourrait me bloquer sur ce jeu, c'est voilà, c'est le fait d'attendre d'avoir des chards et de pas les avoir directement, etc. Et normalement là, donc vous voyez là les rangs S, etc. 0 sur 90 0 sur 90, pour les avoir faut avoir 90 fragments ou je sais pas si tu peux les drop direct. Les A c'est 30 et le B c'est 10. Et A c'est... Non c'est... Voilà, quoi. C'est le seul problème on va dire du jeu qui pourrait me bloquer. On va arrêter. Sur ce, bah, j'espère que la vidéo t'a plu. Vidéo découverte de My Hero Academia de Strongest Hero. Le jeu est vraiment cool, etc. Et tout. Moi personnellement, je pense un peu y jouer de temps en temps, etc. De voir ce que ça donne. De toute façon, il y a un système d'énergie pour te calmer. Dès que t'en as plus, tu peux plus jouer. Et non, franchement, le jeu, il y a moyen de faire plein de trucs et de s'amuser, hein, tout simplement. Le jeu, ça change. Tu peux faire des tricks, tu peux faire des... T'as des attaques spéciales, tout ça. Donc ouais, il y a moyen de se faire plaisir et de bien jouer, etc. sur le jeu. Donc voilà, c'est ton poteau Mandanti. J'espère que la vidéo t'a plu. Je te laisse sur une prochaine vidéo, tout simplement. C'est plus parallèle. On se retrouve pour une prochaine vidéo tout simplement. C'était ton pote Wesh, j'ai trop du mal à finir, wesh. C'était ton pote Montmerti. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.